Tout le monde est OK pour qu'on le mette dans le Notec. On dirait qu'ils font ça depuis toujours. Levez la main, ceux qui sont pour. Sentir, humer, goûter, puis sélectionner les millésimes qui viendront alimenter leur œnothèque. Comment tu vas ? Au palais, bon, on sent qu'il y a une grande matière, bon, il y a de l'acidité derrière, un petit peu sur les agrumes, un très beau riesling, quoi. En réalité, les viticulteurs de Chervillers se rassemblent ainsi une fois par an seulement depuis l'an dernier quand ils ont créé cette œnothèque. Ils choisissent deux vins par vigneron, les meilleurs évidemment. Ils occupent la cave d'un bâtiment municipal qu'ils ont aménagé et qui accueille pour le moment 300 bouteilles, comme ce Rittersberg de 1999. Ce vin-là de 99, ben, on va le garder encore 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et on l'espère qu'un jour, ben, nos descendants ouvriront cette bouteille avec passion. Une œnothèque, c'est donc la mémoire des vins d'un territoire. Une trace pour les générations futures, mais aussi peut-être de quoi prouver la régularité d'un vin dans le temps et obtenir des appellations. On est en train de travailler pour avoir un premier cru Rittersberg. Et donc là, en ce moment, on met également pas mal de bouteilles du Rittersberg dans l'œnothèque pour le moment venu à pouvoir présenter des vins et donc prouver que le Rittersberg de Chervillers vaut bien un grand cru. Un premier cru, pardon. À vue de nez, cette cave-ci est plus ancienne. Arpenter ses allées prend donc du temps. Nous sommes à Bar, au cœur de la mémoire du domaine Klipfel. Plus de 10 000 bouteilles déposées à l'abri, et parmi elles, un millésime de 1921. C'est le grand-père de Jean-Louis Lorenz qui a démarré cette œnothèque en conservant chaque année quelques-unes des toutes meilleures bouteilles. Il voulait garder les traces des millésimes, il se créait son œnothèque, il aimait ça, et c'était sa passion. En fait, c'était une collection, puisque ce n'était même pas des vins qui étaient destinés à être commercialisés. Pas question d'argent donc avec ces vins qui racontent l'histoire familiale, mais plutôt de les déguster au coup par coup. Parce que contrairement aux idées reçues, le vin d'Alsace se garde très bien. Ça fait plaisir de pouvoir expliquer aux gens que des vins d'Alsace se conservent très bien. On a eu l'occasion, pas plus tard que hier, d'ouvrir une bouteille de 47 et de 62 et j'ai bluffé des gens qui ont dit « mais je ne pensais pas qu'on pouvait garder des vins aussi longtemps ». Les deux vins étaient extraordinaires. La maison Klipfel a été vendue il y a 3 ans. Parmi les conditions, conserver l'œnothèque en l'état et accepter les conseils que Jean-Louis Lorenz continue de distiller. Toutes ces capsules-là, qui sont les capsules d'origine, les capsules plomb éteint, ça c'est des capsules d'origine. Et c'est donc celle-là qu'il faudra en priorité reprendre en main si on veut changer les bouchons. On continue de mettre des vins en stock dans l'œnothèque et basé sur la dégustation, comme ça se faisait auparavant, avec comme particularité aussi de rajouter maintenant des magnums de grands crus. Et peut-être les générations futures auront-elles la chance de découvrir des vins séculaires, comme celui-ci, entreposé à la cave des Hospices Civils, un vin blanc de 1472, buvable, paraît-il.